Hello, brothers and sisters, frères et sœurs. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à soi encore, c'est avec joie nous présenter dans l'église baptiste du Conseil de Bridgeport. Nous avons étudié ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous comprenons que nous avons tant besoin de la parole. C'est notre force pour en survivre dans ce monde. Parce que Jésus est en nous par la parole. Et c'est avec un contentement que nous comptons là, avec moi-même, madame, frère Simon qui est là, et frère Samuel pour le venir. Et puis, ou même qui est là, caille pour nous joindre ensemble par la puissance de Saint-Esprit et par, sur les ondes pour étudier la parole de Dieu. Nous comptons, nous saluons dans le position de notre Jésus, notre Sauveur. Nous connaissons Jésus, c'est tout pour nous. Alors, nous pouvons commencer à prier au nom de Jésus. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous, on te disons merci. Pour ce grand cadeau que tu nous as fait de traverser la journée. Et certains sont réveillés ce matin et n'ont pas vu ce moment. Mais tu nous donnes de voir ce moment et d'être dans ton Saint-Temple pour étudier ta parole. C'est une grâce excellente de ta part. Et nous ne sommes pas meilleurs. Et nous t'en remercions, cher Seigneur. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble pour étudier ta parole. Bénis tes enfants ici présents. Bénis ceux qui sont Dieu, branchés en ce moment par voie YouTube pour étudier avec nous. Et donne-leur au Dieu la sagesse, l'intelligence, le discernement dont ils ont besoin afin de comprendre ce que nous disons et qu'à la fin, mon Dieu, de cette étude, ils arrivent à prendre la décision de marcher selon ta parole avec conviction, force et conviction. Et bénis-nous, cher Seigneur, avec nous, parle en nous et que tes serviteurs écoutent. Grâce que nous te demandons au nom par la médiation de notre Sauveur, nous qui vivons au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous comptons nous là avec vous à soi encore pour étudier. Nous changer que la semaine passée nous avons terminé et nous tenons une partie qui était vraiment important. Nous avons prié pour qu'on ait que véritable auditoire là, c'est mon Dieu, un véritable auditoire parce que les pharisiens avec sadducéens auditoire, c'était hypocrite pareil, qui était venu pour tendre une belle prière, mais qui va venir vraiment pour recevoir une bénédiction de cette prière. Et puis, Jésus a donné un conseil. Il était dit, nous changeons, nous avons étudié ça la semaine dernière. Et Jésus parle d'un bagage extrêmement important avec eux-mêmes. Il était dit, si vous songez, fermer la porte, excluez tout le reste afin de voir, de vous concentrer sur Dieu et prier votre Père. C'est ce qu'il t'a dit. Faites tout en ce que vous devez faire, ou détournez votre attention de vous-même. Retirez attention sous tête ou sous vous-même et les autres. Et pour la porter sur Dieu et Dieu seul. Attention, doit porter sur Dieu et Dieu seul. Et nous devons apprendre que la majeure partie de notre prière devait être déroulée littéralement dans le lieu secret. Le lieu secret. Et nous te dit Jésus était qu'on éloignait régulièrement de ses disciples pour prier. Et nous sommes seul pour la prier. Et nous sommes dans Matthieu 26, versets 36 à 46, côté Jésus éloigné pour la prier. Les membres de notre famille, nous disons, peuvent savoir que nous prions. Mais ce que nous disons ne doit pas parvenir jusqu'à leurs oreilles. Nous avons Chrysostome qui dit un bagage qui était fait remarquer, et frères et sœurs. À son époque, quand le 4e siècle, Dieu t'a vécu dans le 4e siècle, quand Chrysostome dit comme ça, dans l'époque par là, en pile chrétien, ils ont prié, tellement fort dans leur chambre que tout le monde les entendait au bout du corridor. Dans le corridor, tout le monde entendait. Si parfois, des gens parviennent à entendre nos prières, privé, cela ne devrait pas dépendre de notre volonté. Ça, M. Vle dit que si vous attendez, ça ne va pas dépendre de volonté. Ça, le veut dire, parce que Papa Noël est dans le secret, ça ne va pas dépendre de volonté. Ça, le veut dire, elle dit, ça ne va pas dépendre de volonté. C'est-à-dire que nous prions, et puis nous conversons avec Papa, nous qui sommes dans le ciel là, qui est dans le secret,
et puis nous-mêmes nous plongeons dans la prière, nous pas gain l'autre intérêt, l'autre bagage que c'est à bon Dieu n'a parlé dans concentration totale, il dit comme ça que même les mon attendait, on prend ça pas de déranger, ça pas déranger rien parce que contact là avec papa là, il fait parce que ou la contact horizontal là il fait m'a dit contact vertical là fait entre nous-mêmes avec mon Dieu, même les grands horizontal. So, mais vertical là, c'est lui, monsieur vous l'a dit, qui est important. Si parfois des gens parviennent à entendre nos prières privées, cela ne devrait pas dépendre de notre volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas volonté, pas nous pour nous faire autant de, mais autant de, nous n'avons rien que nous pas faire. So, nous arrivons, les mots ton père qui voit dans le secret, dans le verset à Jésus dit, ton père qui voit dans le secret. Si ça n'a pas, ça passe. L'on apprend que ton père qui voit dans le secret. Ça veut dire que cela ne suffit pas qu'il n'est pas présent. Parce que le voit dans le secret, ça ne veut pas dire que pas présent quand on y est, quand on va prier, quand nous prions en public. Même lorsqu'on prend en public, on prie en Jésus là. C'est la parole de Dieu qui dit nous. Quand deux ou trois assemblés, nous, là. Ali là, son conviction qu'on doit gagner, l'on a prié, que c'est en privé, que c'est en public, mon Dieu là, ou avec notre famille, ou d'autres petits groupes de croyants, l'on a prié ensemble, mon Dieu là, mon Dieu présent, il est bien présent, quel que soit le moment ou le lieu. Ce n'est pas le moment ou le lieu qui a fait, mon Dieu pas présent. C'est celle-ci, dans le lieu de prière là, c'est des autres, c'est vieux bagaille qui a fait net. Nous avons un problème là, parce que bon Dieu pas toléré, bah, c'est pas là-dedans. En vrai, quel que soit le moment ou lieu que petit bon Dieu yo, a prélé, a fait appel à lui-même, bon Dieu là. Mais ça, Jésus voulait faire nous reconnaître dans l'affaire ton Père qui voit dans le secret. Hein, c'est, il voulait mettre en relief la détermination. Bon Dieu le mettait en relief, l'un a prié la détermination. À qui détermination a prié? Est-ce que on a prié pour faire mon tendre? Est-ce que on a prié pour faire mon ouais? Est-ce que on a prié pour faire mon qu'on prie? Est-ce qu'on a prié avec papa qui voit dans le secret? Est-ce que pendant qu'on a prié, même là on a prié en public, mais une communication en verticale extrêmement importante parce que Dieu penche ses oreilles pour tendre ou même qu'a parlé avec elle. Et ça veut dire c'est la détermination. So, mes frères et sœurs, attendez ça, et pas chamblier, soulier la caille ou prendre note ça. La véritable prière est toujours intime. Véritable prière là, elle est toujours intime. Bon, ça me semble dire là, la véritable prière est toujours intime. Ça veut dire que véritable prière que moi m'avais coupé à faire, que c'est en privé, que c'est en public que n'a fait, sont prières qui sont intimes avec mon Dieu. Même là, gon pas quelque monde qui a prié ensemble, mais gon intimité en Dieu ou même qui n'a mis un groupe là qui a prié, qui n'a mis un autre là qui a groupe là qui a prié, qui n'a mis un et laisse à une fête, c'est là où bénédiction tombe. Les grandes intimités entre tous ceux qui prient, et puis bon Dieu attendait, et puis c'est la grâce bon Dieu descend, mes frères et sœurs. Et si ça nous arrive, mais malheureusement dans nos prières, et son honte pour me dire ça, les n'a prié ensemble, des gens qui pas prié, c'est prier l'autre monde qui attendait en public. Puis l'autre monde y attendait, et il a fini de prier, là, bien le marché parler. Ah, maintenant il a prié, il y a un problème. Et bien, ce n'est pas pour ça, là. C'est pour qu'il vienne prier. Ou venir pour une détermination, pour gagner une communion intime avec mon Dieu, et bien, ça va faire dans la prière. Alors, si c'est ça, on a habitué à faire dans nos prières, avec mon Dieu, pas qu'à répondre. Nous n'avons rien, nous prenons conscience de ça, et pour nous pas faire ça encore, parce que mon Dieu a suivi dans la détermination, là, on a prié. La véritable prière est toujours intime. Attendez ça. Même la prière en public, même prière qu'on fait en public là, si que nous droit et concentré sous mon Dieu, nous enfermer nous réellement et profondément dans la présence seule de Dieu, bénédiction a tombé. Alors c'est ça nous besoin qu'on ait. C'est pas une question de en public, mais c'est une question de communion avec mon Dieu, intimité avec mon Dieu, dans prière ça. Frère, en même temps, amen. Après étudier ça, les nous réunir ensemble à prier en public pour même reconnaître que c'est pas mon connexion, c'est pas mon qui boit autour là. Yes, la fête, les nous tout dans ça, Mabdou, les nous tout ensemble à déterminer, pour nous concentrer nous sous bon Dieu seulement. Et puis nous en bas à prier, vraiment nous communier ensemble avec bon Dieu.
believe me, des puissances qui descendent, et les puissances descendent, bénédiction qui descendent dans nous toutes, bah, apprendre qu'il y a une grâce qui descend. Et nous apprenons ça dans, avec des apôtres là. La Bible dit nous comme ça que monsieur a prié en public, nous tout ça, et pendant qu'il a prié dans acte 5 ans, pendant qu'il a prié, et puis Bible a dit nous comme ça que, on a dit mon Dieu, bah, puissance pour avancer l'évangile là-bas, puissance pour faire travail là, et puis Bible a dit nous comme ça que, pendant qu'il a prié, le lieu où il se trouvait trembla. Lieu a tremblé, et puis il est tout rempli à Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas mais ça arrive, nous, mes frères et sœurs. Dans l'église baptiste de Jean-Monseigneur de Bridgeport, on a soigné là, on matin n'a pas adoré, et puis on a prié ensemble, dans une communion fraternelle sincère, hein, mes frères et sœurs. Et puis, la puissance, mon Dieu, descend, apprenne. Et nous, ouais, ça, nous te lis là avec nous, dans deux coniques, apprenne, cinq là, nous changer, nous lisons, dans deux coniques, apprenne, sept là tout, apprenne, dans dédicace en temple Salomon, c'est pas vrai? Et nous apprenons que les sacrificateurs, trompettis sur tes têtes ensemble, apprenne, 120 avouer, et puis sacrificateurs, selon l'ordre des classes, tout est sanctifié. Et puis, il y a bâle, mon Dieu, en adoration. Ça passe, bon Dieu, descend. Et puis, dit, la gloire de Dieu remplissait le temple. Et ça veut dire pas qu'arrêter pour le service là. Parce que la gloire de Dieu remplit le temple. Nous, il apprend le temple pour nous. Mais, frère, ça, nous ne pouvons pas aimer bénéficier de cette présence de Dieu là. Nous, t'as aimé, bon Dieu, descend. Et nous sommes capables de faire ça. Après la pandémie, mes frères et sœurs, la pandémie a fait route. Et puis nous-mêmes qui entrons dans l'église, qui venons à toi et mon Dieu, et nous avons ce sentiment, après une détermination pour nous en connexion vraiment avec le ciel, la gloire de Dieu a descendu dans l'église baptiste et sur mon sel de Bridgeport. Et non seulement l'église nous, ou même tout qui nous l'autre l'église peut-être attendait nous, ça qui arrive dans l'église ou à tout. Vous avez besoin de tout le monde, vous avez même seulement comme membre, ou bien mon lacar seulement comme membre de l'église, ça. Et puis nous prenons décision pour nous venir prier comme ça avec détermination pour nous en communion avec le Seigneur. Gloire à bon Dieu à descendre, mes frères et sœurs, parce que l'habitude fait déjà, il fait dans l'Ancien Testament, il fait dans le Nouveau Testament, et la fait pour nous tous. Et nous avons que nous tendons. Même la prière en public, si le cœur est droit et concentré sur Dieu, nous enferme réellement et profondément dans la présence de Dieu. Nous vraiment dans la présence de Dieu et de Dieu seul. C'est ça me t'a aimé pour nous et ça me t'a aimé pour l'église, là, l'église baptiste, et son sœur de Bridgeport. Bon, ça nous apprend qu'on y a. Dans le modèle de prière que Jésus a enseigné à disciples, voici comment vous devez prier. Il commence par, tout le monde, Jésus commence par notre Père. Notre Père. Matthieu 6, verset 9. Attendez ça, très important dans Matthieu, notre Père, Matthieu 6, verset 9, indiquant que d'autres croyants peuvent être en présent et que la prière est commune. C'est-à-dire que l'elle dit notre Père, ouais, il y a bien l'autre monde là. C'est-à-dire que nous sommes capables dans la présence de Dieu ensemble et prière que nous avons fait son prière commune. Attendez ça. Mais même quand la prière représentant les sentiments et les besoins des autres, même les prières représentées par sentiments et besoins des autres qui assemblés, qui sont présents, qui prient avec nous, l'attention suprême doit être fixée sur Dieu. Frère, ma soeur, mio, même les non-publics n'ont prié, attention suprême ou personnellement, il doit centrer sur mon Dieu. Et si nous tous qui venons, attention nous, centrer sur mon Dieu. L'église, ça, c'est l'église qui bénit totalement. Chaque fois que nous avons prié, c'est comme ça qu'on a prié, il y a une bénédiction dans l'église. Là, et ça me dit, si l'église a béni, qui l'autre côté a béni encore d'abord même? La caillou. Parce que même prier, on vient faire dans l'église, là, believe me, c'est l'ouvrir la caillou tout. Parce que c'est comme ça qu'on prie. L'on prie, on concentre sur mon Dieu. Prier, monter, grâce descendant dans la caillou. C'est conséquemment, l'on vient dans l'église, là, tout. Nous tous à prier comme ça. Nous prier, prier, monter. Grâce à l'Église a béni, la carte a béni, tout le monde a béni indistinctement. Et c'est exactement ça. Bon Dieu a essayé de faire nous comprendre. Là, Jésus a essayé de faire disciples comprendre. On prend attention, nous, on doit suprême, nous, attention suprême, nous, de fixer sur bon Dieu. On prend maintenant.
Dans le sens même, frère et soeur, de la prière publique, mais c'est la prière publique qu'on a fait, qui soit, qui doit des fêtes dans l'île secret, parce que, on va pas la papa dans l'île secret, tandis ça, on va pas la papa dans le lieu secret, même si le monde entier entend, tandis ça, même si le monde entier tendait une prière, ce que nous disons, il y a intimité avec Dieu. Même si le monde entier attendait leur prière, mais c'est pas ça que nous avons entier attendait, mais c'est si il y a intimité avec bon Dieu pendant qu'on prie, et le monde entier m'a dit ça. Moi-même, je vais dire ça. Si on prie comme ça, vous, pendant qu'on prie, dans le monde entier, on attendait. Bon, qui met la prière, et pendant qu'on prie, et puis tout collé dans la prière, là, il y a une concentration à bon Dieu tout. Quel que soit côté, il y a la bénie. Quel que soit côté, il y a la bénie. Parce que, il y a un collé avec vous. Dans l'intimité, il y a bon Dieu, il y a une intimité à tout. Et puis, bon Dieu prend plaisir dans ça. On va dans besoin. Et puis, bon Dieu déverser en bénédiction, en sourire et sur lui-même, qui n'a lieu secret, mais il y a une intimité avec nous pendant que la prière. Même si le monde entier entend ce que nous disons, il y a intimité avec Dieu et concentration sur lui dans cette communion, dans la communion fraternelle, ça, pendant la donne, mais bon intimité, bon concentration qui fait bon communion avec mon Dieu. Et communion, ça, concentration, ça, yo inaltéré. Inaltéré, ça veut dire qu'elle pas mélangé à rien. Inaltéré, ça veut dire qu'elle intacte, ça veut dire qu'elle pure. Dans son communication pure, mes frères et sœurs, son communion pure, intacte, bon Dieu prend plaisir dans ça. Même temps, mais pour nous changer, pour nous prendre l'autre décision dans la prière. Pour ne pas prier, pour nous prier, son Dieu, son bagage, nous fait comme ça, mais il faut qu'on ait la prière. Nous venons présenter devant un monde qui est honorable, devant un monde qui est souverain, devant un monde qui est capable de pouvoir pour aider, pour bénir, pour délivrer, ou pas présenter devant nous ça n'importe qui. L'on présente devant, on présente comme un petit qui honore, qui aime, qui respecte papa. Et puis, il vient de côté papal, pour papal délivrer. Et tout ça, on vient en pile délivrance, sous en présenté de consa devant mon Dieu. Bon, Dieu voit également dans le secret, mes frères et sœurs. Bon Dieu est dans le secret, dans le sens, attendez ça. Bon Dieu est dans le secret, attendez ça. Prendre, bon Dieu est dans le secret, parce qu'il ne trahit jamais une confidence. Bon Dieu, pas jamais trahir en confidence. Ou vient parler avec mon Dieu là, ou vient bailler mon Dieu ti croiser secret, ou vient bailler mon Dieu, depuis bon Dieu fin tande ti en secret, et bon Dieu va le travailler pour les dons dans son mandat, comprendre? Et puis maintenant bien des choses que nous partageons avec Dieu dans nos prières privées sont portées à sa seule connaissance. C'est seul mon Dieu qui connaît son dia, qui s'en désordia, et puis rester avec mon Dieu. Il va déplacer par le côté, parce que c'est dans le secret qu'on parle avec, et puis bon Dieu, qui est le secret. Comment nous qui est le secret, les amis, nous venons de nous bagay. Bon Dieu, c'est comme ça le fait. Après, les confidences que nous faisons même, à nous bien-aimés, ou qu'on bien-aimé dans l'église là, ou qu'on bons amis, nos bien-aimés les plus chers, ou à des amis les plus intimes, leur faire parler parole secrète ça avec yo, yo intime avec vous-même, mais sordia peut être parfois être trahi, sordia yo qu'a trahi là parce qu'yo pas raconter là avec l'autre monde. Et c'est pas vrai. Bah, il y a un bagage qui nous dit qui est secret, et puis nous allons raconter avec l'autre monde. Et moi, je dis un bagage. Il y a des bagages, un frère, un fidèle, qui a confiance en nous-mêmes, qui connaît son servante, ou bien qui connaît son frère, qui aime bon Dieu. Et puis il y a un bon secret. Et puis il y a un bon secret, ou elle raconte. Même madame avec petit tout, Marie ou pas, doit connaître. Parce que son confiance qu'elle fait. C'est ça, mon Dieu, à expliquer nous là. Les Jésus à prier, à parler avec monsieur, voici comment vous devez prier. Parce qu'il connaît le parle qui était dans le monde blanc. Il connaît son monde méchant. Il connaît son monde qui a une pile trahison là-dedans. Parce que Jida était dans le groupe là, Jida trahit. Et on prend le tout, on prend Pierre, pour aller vous côté, on prend le pas de connaître. So, conséquemment, frère, ma soeur, mio, on prend ça sérieux. Nous-mêmes, quand c'est bon Dieu, pour nous connaître qui j'en a marché avec bon Dieu vrai, parce que yo capable de trahir. Mais nous pouvons être certains, ou doit être certains, frère, ma soeur, que ce secret que nous confions à Dieu
un, il a prêté là. Toute confiance qu'on fait à mon Dieu, il a prêté là. Il ne va pas dans quel côté, il a prêté là. Et si mon Dieu t'a combattu pour le faire, ce n'est pas un autre monde qui va le dire, non. C'est ou même encore mon Dieu va le dire. Ah, au Seigneur, sortez dit. Les bon Dieu agit mal, il va aller les monde pour le parler, non. Bon Dieu va le dire, ou changer, sortez dit. C'est secret, nous. Il n'y a pas la voix. C'est secret, c'est entre nous, Dieu aller, il n'y a pas la voix pour le dire. Ah, ou quitter route là. Mais à Israël, puisque Israël n'a pas fait secret à moi, il n'a pas pour mon Dieu, il veut protéger mon Dieu à secret. Là, il agit mal, bon Dieu, parle, c'est eux qui agit mal, bon Dieu, parle avec tout. Il dit, oh, mais ça ne fait. Et puis, il dit, c'est reproche, mais ce n'est pas reproche, bon Dieu a fait, on est que c'est à faire. Ah, pas bon, c'est public, mais c'était privé, mon Dieu, tu parles avec nous en privé. Donc, so, conséquemment, pas jamais oublier ça. Après, tout ça dit mon Dieu, la prêté là. Après, et un croyant qui priait dans le secret avec un cœur pur, après, à toute l'attention du Père. Là, on prie avec un cœur pur dans le secret, même quand on prie en public, après, pas oublier, ou bien attention, papa, sous vous. Attention, papa, sous vous. Est-ce que vous n'avez pas attention, papa, dans le ciel là, sous vous? Papa qui dit, maman avec papa, Thérèse a abandonné, mais les mêmes l'a briqué. C'est un papa comme ça. C'est mon papa l'a présenté. Parce qu'on connaît papa, ça a bon tout le bagage. C'est mon papa qui a bon ça, mais il n'a pas bon ça. C'est mon papa qui a bon tout le bagage. C'est là, vin contre papa ça, c'est vous venez avec une intimité sincère pour qu'on ait que je ne parle pas la papa et je connais des filles qui campent devant moi. Je connais la mer rouge qui est devant moi. Je connais Judas qui est devant moi. Papa me prend le traverser la même. Est-ce que bon Dieu va montrer nous ça? C'est là que nous avons besoin de confiance dans ce Dieu. Après, nous avons besoin de venir devant et attirer attention avec une intimité vraiment totale, une intimité serrée avec un papa qui est bien. Après, nous avons un petit qui est mon papa qui parle avec un papa. Pas de papa. Pas de bénédiction. Pas de bénédiction. Un petit crème, mais papa, qui vient parler avec un papa crème. Ouh! Quelle intimité. Quelle bénédiction. Quelle joie, frère ma soeur. Et c'est ça nous besoin. De plus, les prières, Jean t'a doué, Les prières, Jean t'a doué hier, notre Père qui voit dans le secret, ça veut dire, nous le rendra. Notre Père qui voit dans le secret, nous le rendra. C'est-à-dire que ça, nous demandons là, la fête. Mais est-ce que prière est faite dans le secret, oui, à lui-même? Vous qui j'en prié? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, à prier, non, mon Dieu va sanctifier dans vous. Bon, en honnête, bon, sinon, bon Dieu, ou pas même sanctifier non, mon Dieu, et ou à prier, mon Dieu. Bon, côté prier, côté parler d'intimité à là, parce que bon Dieu déjà pas tendu, ou l'on veut bouchou, parce que les Israël 70 ans, ou à prier, m'a pas jamais tendu. Ou à gêner, m'a pas jamais tendu. Parce que, pas de communion vraie, pas d'intimité vraie, nous pas coller avec bon Dieu vrai, parce que bon Dieu est dans le secret, et ça fait que nous pas qu'à tromper bon Dieu, là nous pas bon à présenter devant mon Dieu, mais bon Dieu pas regarder, bon Dieu connaît nous pas bon, et ça faut pas qu'à joindre soit bon Dieu, parce qu'il pas qu'à joindre. Mais il y a un secret, il a même pas où sur mon déa. Le secret le plus important que bon Dieu, ouais. Le secret qui est plus important que bon Dieu, ouais. Mes frères et sœurs, attendez ça. Ce ne sont pas les mots que nous disons. Ce n'est pas dit bel mot, même j'avais pharisien avec ça, dit Seigneur. Ce ne sont pas les mots que nous disons dans le secret de notre chambre. Mais les pensées que nous avons dans le secret de notre cœur. C'est au mon Dieu, ouais, penser que nous gagnons dans le secret, dans le profond que nous yo. Bon Dieu, ouais, yo. Bon Dieu, ouais, yo. Et soit prier, mon Dieu, dans l'état comme ça. Bon Dieu, allez pour nous parce qu'il voit dans le secret. Dans la profondeur du cœur, nous allons cacher, bon Dieu, ouais. Pas oublier que, qu'est-ce qui crée le cœur? Qu'est-ce qui bat le cœur? Qu'est-ce qui est l'auteur de ce cœur qui fonctionne là, à notre poitrine? Qui côté cœur ça sortit?
Qui côté nom non sorti? Qui côté pour moi sorti? Qui côté rien sorti? Qui côté foi sorti? Son seul monde qui baille, bon Dieu compte que nous. On so l'homme bon Dieu compte tout secret dans cœur. Cela dit que on est alors présenté devant mon Dieu, tout bagarre dit dans chambre yo, on prend un il y a yo belle m'ouvre papa chéri, on connaît moi mais oh bon Dieu m'nan, un bon Dieu qui douce koyé, son papa qui compatit sans koyé, mais bon Dieu regarde dans cœur rapine, méchanceté, haine, jalousie et puis on prend le temps bon Dieu répond. Mon bel bel mon vrai mon bel vrai mon mon capitaine de dit qu'est mon ça compte prier et bon Dieu me garder moi prier là pas traverser trois l'église ou bien trois la caille ou qu'on doit prier parce que sont malhonnêtes qu'à prier comprend ou pas aimer bon Dieu vrai et ou prier comprend non mais c'est bon Dieu garder dans profond cœur pour garder les pensées que nous avons dans le secret de notre cœur bon Dieu ouais et c'est comme ça bon Dieu t'a retiré pour remplacer par d'autres secrets pour venir devant et pour lui-même pour répondre en de bons secrets qu'on a dans le cœur. OK, cela voilà les secrets qui le préoccupe. C'est secret ça qui préoccupe mon Dieu suprêmement et qu'il est le seul à pouvoir connaître avec certitude. Pensez ça yo, bon Dieu connaît avec certitude. Il pas besoin de monde venir dire, il connaît ça quand donc et c'est secret ça bon Dieu besoin ou gain avec. Attendez ça, Paul Pral dit dans 1 Corinthiens 4 1 Corinthiens 4, verset 3 et 5. Dans mon lit Lacayou, 1 Corinthiens, chapitre 4, en verset 3 à verset 5. Quand Paul Pral dit un bagage qui est extrêmement important. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à verset 5. M'a dit, mais ça, Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Attendez ça. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Pas que si vous jugez, pas que si un tribunal humain juge. Point. Je ne juge pas. Je ne me juge pas non. Je ne juge pas non plus moi-même. Moi, pas jugé tête moins. Car je ne me sens coupable de rien. Car je ne me sens pas senti coupable de rien. Virgule. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est pas ça qui fait me justifier. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, frères et sœurs. Celui qui vous juge, c'est le Seigneur. Le Seigneur compte toute bagaille. Point. Et c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Pas juger en rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en qui ça? En lumière, ce qui est caché. La mettez en lumière, tout ça caché. Ou mettre faire boire dans prière, ou mettre chanter prière, j'en après, ou mettre réciter prière, j'en après réciter. Bon Dieu, a gardé dans le secret de votre cœur, pour le client cœur, et Dieu qui voit dans le secret, soit le répond nous. Si cœur en bon état, dans le secret de notre cœur, pas déranger l'autre des choses, mais si ce secret dans le cœur déranger l'autre des choses, il n'y a pas qu'à rendre son besoin parce que pas vraiment une communion parfaite avec bon Dieu. Est-ce que nous comprenons ça, ça va parler là à soi? Ça, c'est très important. Jésus, ce n'est pas pour sans raison que Jésus a parlé avec les disciples, il parle pour le quitter. Paul explique nous ça bien lui-même parce qu'il vient découvrir bagage ça yo comprend qui ça bon Dieu c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres ce qui est caché qui boit ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Qui pourra faire bagarre des cinq dans le cœur, bon Dieu pourra le faire paraître clair. Bon Dieu pourra le faire des cinq dans le cœur, paraître clair. Comprenez? Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, bon Dieu pas égaré. Vous comprenez? Bon Dieu sont égarés. Bon Dieu sont égarés. Comprenez? Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui sera dit. Louange vous méritez, hein? Ça bon Dieu a fait. La baoule. Bénédiction méritée. Hein? Bon Dieu a baoule.
malédiction qu'on méritait à tout. Mon Dieu, baoul. Parce que bon Dieu, pas fait exception de personne. C'est Jean présenté devant pour qu'on ait sous ses petites lits, avec sous pas petites lits. Qui Jean a présenté devant mon Dieu? Est-ce que vous sentez tous ces petites, bon Dieu? Est-ce que vous sentez tous mes bon Dieu? En vrai, dans la prière, vous avez à recevoir. En vrai, le bon Dieu attend d'eux. Est-ce qu'il n'y a pas un pharisien? Est-ce qu'il n'y a pas un sadducéen? Est-ce qu'il n'y a pas un hypocrite? Le roi parle là, bon Dieu. Pas vraiment. Ce n'est pas Pasteur France, ce n'est pas un frère à l'église, là, mais l'autre parle avec mon Dieu. Et c'est là le problème, nous y est. C'est parce que nous n'avons pas une communion intime vraiment avec mon Dieu dans la prière. Frère, ma soeur, je m'apprête tout ça encore. Bon Dieu, son bon Dieu qu'on délivre. Bon Dieu, son bon Dieu qu'on casse les chaînes. Bon Dieu, son bon Dieu qu'on délivre, mon tout bon. Se présenter devant mon Dieu avec un cœur sincère. Bon Dieu, ouais, dans secret cœur, que son monde qui vient dans une intimité totale, complète avec nous, bon Dieu a délivré. Certain. Pas que mentir dans ça. On espère nous comprendre pas ça, que Paul va nous terminer avec phrase ça. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Et maintenant, nous, chaque capuille, nous présenter devant mon Dieu, louange pour nous recevoir devant mon Dieu, même c'est la louange finale. Venez, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle dans peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Mes amis, c'est belle bagarre, oui. C'est bon Dieu, c'est Jésus qui parle de ça, oui. Vine dans la joie, oui. Parce qu'on a un secret terrestre avec lui, qu'on y a là, pour entrer dans une gloire terrestre avec lui, parce que secret est en bas, on prend, c'est lui qui va monter en l'air, parce que tu as une communion parfaite et totale avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, attendez ça, ça est très important pour vous, capitaine de ma soeur. Secret ça, yo compte parfois même inconnu de nous. Nous-mêmes, oui, mais secret qu'on est connu de nous. Amen. Parce que c'est si facile de se tromper au sujet de ses propres motifs. Parce que qu'on trompe de propres motifs. On prend, le cœur a des raisons que la raison même ne connaît pas. So, conséquemment, l'on gagne un paquet de motifs dans le cœur, qu'on parle même qu'on a raison. Pour qui raison motifs? On parle même qu'on a motifs même. Mais bon Dieu qu'on est. Comprenez? Bon Dieu qu'on prie, ça fait tel bagaille. Bon Dieu qu'on prie, ça parle tel gens. Bon Dieu qu'on prie, ça prie tel gens. Bon Dieu qu'on est. Besoin nous même qu'à prier, besoin nous qu'on est là, nous présenter devant mon Dieu. Bon Dieu, pas on égaré. Bon Dieu, pas on y a un monde qui ne connaît rien. Il est le Dieu, apprendre, souverain. Apprendre. On l'appelle le Dieu omniscient. Conséquemment, présenter devant mon Dieu pour nous connaître que bon Dieu qu'on motive nous. Depuis qu'on va présenter devant nous, il faut qu'on tout ça dans le cœur de Richard. So, c'est bon Dieu va garder dans belle parole, bon Dieu va garder dans bel habillement, bon Dieu va garder dans le cœur. Motif cœur. Secret dans le cœur, bon Dieu qu'on aime. Je vais m'asseoir, attendez. Secret dans le cœur, bon Dieu qu'on aime. Secret, yo bon, yo mauvais, bon Dieu qu'on aime. Il connaît tous les secrets de notre cœur. Bon Dieu qu'on aime. Ok, so now, frères et sœurs, puisque bon Dieu c'est l'auditoire véritable de prière nous, mes frères et sœurs, puisque bon Dieu c'est l'auditoire véritable, et tout l'autre monde qui t'attend des pharisiens, avec sadducéens, c'est bravo, bravo, peut-être au bac, peut-être c'est content, c'est Dieu dit, oh monsieur, priez bien, peut-être c'est récompensé au ça. Et ça, Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. Donc, so, même avec nous-mêmes, si nous connaissons que bon Dieu, c'est auditoire, nous, c'est lui qui attend de nous, qui a recevoir la prière, nous, nous pourrons recevoir une récompense que lui seul peut donner. Récompense pour recevoir, c'est lui seul qui a bâillé, pas un homme qui a bâillé récompense ça. Hein, sœur, on va écouter pour dormir, on va écouter pour dormir, pour être. Qui l'homme, on va venir comme ça sur la terre et l'eau pour le faire garder en mention, pour le faire garder en gros caille. Ça qu'a fait, mais le qu'a fait, c'est un sous-sens où ça a fait. Ouais. C'est fait. Mais bon Dieu lui-même, il a baoul. Et là, il baoul, il va baoul, déconstombré. Il va baoul pour faire réparation. Le bon Dieu baoul, il baoul, bien préparé. Le bon Dieu baoul, il baoul, entre ou pas manquant rien. C'est-à-dire que l'or, il y a un bon Dieu, ou son monde qui pas manquant rien.
Mais c'est moi avec nous-mêmes qui vivons, nous comprenons, nous ne comprenons pas quelques bagages, mais nous sommes bons, nous riches que nous sommes. Parce que nous avons un Dieu qui vient de côté, n'importe qui là, et puis n'importe qui ça nous demande, et puis il dispose pour le bas nous. Frère, ma soeur, même temps, nous prenons mon Dieu ça, sérieux. Présentez devant mon Dieu nous, pour nous connaître, c'est lui qui est auditoire là. Pas compter sur pile monde, il y a prié dans le temps, pile monde. On a fait gros prière à haute voix pour nous entendre, pour nous connaître, nous prier. C'est ça, Jésus te compte en pharisien, et puis il a campé dans la position pour nous attendre, dans la position pour nous carrer, dans le coin des rues, nous te dit ça. Après, dans la synagogue, il y a pile monde pour nous attendre. On prend, nous dans le temps, pile monde, on prend, connaître. Que bon Dieu ouais secret que nous en nous pour nous connaît bon Dieu a gardé dans que nous on a l'air nous prier comme ça mes frères et sœurs nous connaissons une relation vraiment serrée avec bon Dieu et puis attendre que bon Dieu parle bénir là-bas ça a besoin et c'est ça le dit là on connaît que récompense n'a pas recevoir récompense que seul bon Dieu capable là n'a pas recevoir on prend un passage nous en verset nous en que nous dit attendez ça. Jésus pas bail aucun indice de qui récompense ça qui ça récompense ça la vérité importante c'est que Dieu bénira fidèlement et immanquablement. Attendez, bon Dieu a béni fidèlement et immanquablement. Pour ça parce que sa bouche lui dit mais l'a accompli et à travers la Bible nous tout en attendait. Bon Dieu, son bon Dieu qui kembe qui ça? Promesse. Ça le dit à la fèl. Bon Dieu kembe promesse. Sona, le bon Dieu dit ou la fond bagay, vérité qui est importante que nous kembe dans le cœur nous, c'est que Dieu a béni nous fidèlement et immanquablement en prendre parce que nous vîn côté là en toute sincérité. Comment nous l'en prier, nous sentir nous venir côté bon Dieu en toute sincérité. Ou la Dieu en prier bon Dieu, ouvrir cœur par bon Dieu et vous connaît que bon Dieu ouais tout secret dans cœur. Et puis leur prier bon Dieu ouais ou pas bail mentir, c'est secret ou dévoiler ba livrer. Comprendre? Et puis bon Dieu a pour sourire dans ciel là. On a l'onti mon ouais si on a fait bien, si on a tout ça fait bien, si on a fait cœur content, quel que soit ça le monde là. Ou même qui pas pater. Est-ce pas ouvrir le balil? Est-ce que vous ressentez ça? So, conséquemment, si nous-mêmes nous consacrons à la petite, et bon Dieu même, qui papa nous, qui déjà dit nous, si papa ça, maman ça, qui est au lap à recevoir là. Ça veut dire que bon Dieu, nous sommes gros bon Dieu. Moi-même, bon Dieu, l'a béni nous fidèlement et immanquablement. Nous prenons depuis nous venir côté en toute sincérité. Mes frères et sœurs, assurément, le Seigneur, frères et sœurs, qui dans le ciel là, ça l'a fait, là, bah, où sont besoin? Ceux qui prient sans aucune, attendez, sans aucune sincérité et hypocritement, attendez ça, très important. Moun ka prié sans aucune sincérité, il y a une sincérité dans le cœur, et a prié hypocritement, recevront la récompense du monde. C'est la récompense que le monde n'a pas recevoir. Et nous recevoir, oui. Oh, vous te chantez bien. Oh, vous avez fait une belle prière. Oh, prière a été belle. Bon, mais prière a été belle. Bon, mon cap de prière a été belle là. Est-ce que bon Dieu t'endèle? Est-ce que bon Dieu t'endèle? Parce que Dieu voit dans le secret. Est-ce qu'on fait pour nous attendre qu'on prie belle? Faire bagaille pour nous, ouais. Nous faire bagaille pour nous, ouais, dans l'église, trop. Nous faire bagaille dans l'église pour nous, ouais, trop. On commence qu'on y a fait bagaille pour bon Dieu, ouais, et pour mon Dieu content. L'infini recevoir l'applaudissement des hommes, nous gagnons récompense nous déjà. C'est ça nous besoin de comprendre. Comprendre. L'offre fait avec sincérité et ou pas faire hypocritement. Comprendre. Ou recevoir récompense de Dieu. L'offre fait ou pas de sincérité ou faire hypocritement tout, ou pas recevoir la récompense du monde. Comprendre. Ou pas recevoir la récompense de mon Dieu, ou pas recevoir la récompense du monde. Et ceux qui prient sincèrement et humblement recevront celle de Dieu. Qui récompense ou t'a aimé recevoir l'offre de prier? Récompense du monde ou récompense de Dieu? Ah, répondre à question ça peut-être. Hein? Parce que si vous avez prié à mon Dieu, et même pas qu'on a rien comme ça. So, nous finissons avec auditoire là. Pas comme auditoire, c'est le monde qui boit côté, mais auditoire là. C'est qui est encore? Bon Dieu. Et c'est l'aptendo. L'autre monde n'a pas contre secret cœur. Mais bon Dieu compte secret cœur et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que vous t'aimez? Bon Dieu, réponds-nous.
d'en connait bon Dieu ouais tout ça a dit. Bon, on regarde qu'on y a faillir de compte prier. Jésus parlait encore dans le contenu des prières. Qui ça quand dans prière yo, les messieurs a prié. Bon, mes frères et sœurs, on suit ça. Dans l'époque Jésus a apprendre un deuxième aspect de prière, des prières qui fait défaut est celui du contenu. L'aspect ça a été fait défaut en pile dans contenu prière, ça quand dans prière, ça qu'a dit en dans prière là. Attendez, très important, les prières hypocrites des scribes et des pharisiens sont faites non seulement dans le mauvais esprit, attendez ça, les prières hypocrites des scribes et des pharisiens sont faites non seulement dans le mauvais esprit, mais encore avec des paroles qui ne veulent rien dire. Vous entendez ça? Parce qu'il y a plein de tout paquet de paroles. Sur les samedis, il n'y a pas ajouté adjectif dans le mot pour faire mot paraître bien, pour qu'il soit étonné, mon Dieu. Regardez, chaque mot dit, mon Dieu est étonné, pas vrai? Oh, chaque mot dit, oh, mon Dieu saisi, parce que mon Dieu n'a pas jamais entendu mot ça. C'est nous-mêmes. Des fois, nous ne parlons pas le français même. Et bien, on est campé devant nous, on a parlé. Ah, la paix, tu sais là, oh, tu comprends-tu là, bon, tu sais là, bon, oh oui, oh, oh oui, ce, oh, oh, tu comprends, oh oui, on, pour même, oh, oh, on a parlé bien, on a dans maison. C'est pas ça qui doit intéresser, c'est que nous, encore que qu'on est. Est-ce que ça l'a dit, est important? Yes, nous par contre ça, non? Les gens fait honorablement pour faire mon Dieu plaisir, mais c'est pas intéressant de la faire pour faire mon ouais. On prend, so, veille ça. Parce que Jésus a parlé avec nous à soir. Attendez ça. Il a fait prière. Prière s'est faite non seulement dans le mauvais esprit, mais encore avec des paroles qui ne veulent rien dire. Paroles qui ne veulent dire rien. Elles sont dépourvues de substance. Prière dépourvue de substance parce que prière n'a pas une force assez pour arriver à toucher le cœur de Dieu. Parce que ça fait, c'est pour satisfaire tête prendre avec l'autre monde. On prend un contenu pas significatif parce que on colle adjectif. Non, moi pour faire paraître belle, ça va intéresser mon Dieu. On prend que on prier, on dit moi gagne 8 cylindres en français. On prend moi gagne 8 syllabes. On prend moi gagne on prend un contenu qui en mélange un grain de mots. On dit moi gagne 8 cylindres. On prend so then conséquemment c'est pour faire mon ouais. Et puis, nous apprenons que envie de sens. Il n'y a pas de substance là-dedans. Il n'y a pas de contenu significatif pour mon Dieu prendre plaisir là-dedans. Non, puis c'est agréable aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs, dit Jésus. Jésus dit que les prières ne sont pas agréables dans les yeux de mon Dieu. Les prières doivent exprimer une adoration et des requêtes sincères. Prière nous doit exprimer une adoration à Dieu et des requêtes sincères. Je vais faire requête là devant mon Dieu et mon Dieu garde dans le cœur, dans le secret du cœur. Lui va sortir mon Dieu là, c'est ça. Et mon Dieu a fort cadeau. Nous ne sommes pas bénis, mes frères. Nous ne sommes pas bénis. Nous ne sommes pas bénis. Est-ce que nous ne sommes pas bon Dieu faire de grandes choses pour nous, mes frères et sœurs? Est-ce que nous ne sommes pas aimés, bon Dieu, pour faire de bonnes choses pour nous? On a parlé de contenu des prières. Conséquemment, nous voyons que nous voyons que des faux contenus dans la prière, contenu prière, il faux. Des fois, on prend. Qui j'ai envoyé? Jésus parlait de 20 paroles, chapitre 6, verset 7. On prend. Dans chapitre 6, dans verset 7, là, Jésus parlait de 20 paroles, Matthieu 6, verset 7. On prend. L'erreur particulière que Jésus souligne ici est celle de la multiplication de 20 paroles. La multiplication de 20 paroles, chapitre 6, verset 7. On prend. Dont il a été question. C'est ça, Jésus te dit, on voit dans le chapitre ça, pratique ça, il était très répandu dans les religions païennes. C'est un bagage qui était dans les religions païennes, très répandu dans les religions païennes, comme elle est aujourd'hui dans de nombreuses religions. Je dis encore, bagage, c'est en pile religion, y compris certaines branches de la chrétienté. Dans certaines branches de la chrétienté, bagage ça existait tout, mon a fait prier ça yo toujours. On prend les Jésus dit que les mots multipliés on prend de 20 paroles. Il dit comme ça que il rend un seul mot grec. Mot grec là que le rend c'est batalegeo qui signifie
qui désire un bavardage futile. Son bavardage futile, là, on paquet de mots, pas de bagage. Même si on passe cette expliquer, là, il y a un côté qu'on a mis, qu'on est, et puis on a mis dit qu'on parlait en langue. Et puis, monsieur collé espagnol avec anglais, avec latin, avec grec, tout le monde qu'on est collé ensemble, et puis il a mis non tape, et puis il a dit c'est lui qui parle en langue. Parce à qui qu'on est. Il dit, mon cher, stop, non, ça fait tintin, mon cher. Ça, c'est anglais, ça, c'est espagnol, ça, c'est bagage. On a fait tintin. Bon Dieu va prendre plaisir, non, bah, ça. On a fait parler en langue, non. Et des fois, nous comprenons ces vérités, mais ce n'est pas vrai, nous nous faisons erreur. Et non, tout le bagage nous jouons faux et nous jouons bon. Et même dans la prière, tout, il y a faux au contenu. On prend un temps prière, c'est une multiplication de 20 paroles qu'a fait. On prend, et ça fait que, il y a ça, un bavardage futile et inconsidéré. Son bavardage futile et inconsidéré. Et c'était probablement, mes frères et sœurs, un terme vraiment onomatopoétique imitant en les sons de bara à diminué de sens. On prend comme si mon a dit tintin, on prend la petite bagaille qui va faire sens. On prend pour étonner monde. Ah mes frères, monde dit bagaille oui. Et des fois que toi inventé un mot qui pas existait même. Et pour même content, on prend ouais c'est gros bagaille qu'a dit. Et me songer que les grands pasteurs l'entendre dans séminaire t'avait étudié. Un étudiant ça il pas parler créole, il a parlé créole dans classe là, pas parler créole là avec Jean, il a parlé c'est tout français. Et la caïli, si on monte à entrer la caïli monsieur, ou allant entrer la caïli monsieur, et puis qui sont fait ou parler créole la caïli, il a fait malhonnête puis il pas parler créole ici aux États-Unis, pas ici, non, pas là. Et puis et négation là qui était fort vrai, il faut vrai, il va mentir. On va dans maison. Maintenant, et monsieur concernant l'église, tout la travail avec mon pasteur. Et on a travail. Mais des fois les pasteurs bah monsieur prêcher, son souffrance pasteur a gagné dans cœur. Elle parce que mon j'ai utilisé au monde pas comprendre. Pasteur a dit moi que gagné l'aime j'ai prêché, mon ça un dictionnaire pour ta venir. Et chaque mot monsieur dit c'est pour nous apprendre à chercher moi un dictionnaire pour la signification, pour comprendre ça, monsieur a dit. Et puis, on passe à le monsieur, et puis il dit, ah bon, un tel soit fait pas bon, parce que, moi, je dis de gros mots, et moi, ça, on ne comprend pas, on dit, moi, 8 cylindres, monsieur, vous le faites comprendre, monsieur, vous comprenez, mot trop long, on ne comprend pas, trois gros mots, on dit, monsieur, on dit, monsieur, répond, pasteur, monsieur dit, pasteur, ah, oh, pasteur, qu'est-ce que vous me dites comme ça? Ah, pasteur, vous voulez que je me rabaisse à la hauteur du peuple? Non! Le peuple doit s'élever à ma hauteur. Je ne veux pas me rabaisser à la hauteur du peuple. On est qui va le passer, il ne va pas descendre à hauteur du peuple. C'est le peuple là qui vient monter à hauteur. Ça dit que le peuple n'a pas jamais qu'à arriver à hauteur, monsieur, parce que le peuple n'a pas qu'à comprendre un tout gros mot, ça, monsieur, a dit en français. Vous comprenez? So, it's not a joke! Bon Dieu, sérieux, non, pas ça. Et je ne vais pas cacher tout. Then il prend coup tout un ministère et a fait ministère pas j'aime passer bien pour lui parce que on pasteur ou doit prendre soin de brebis, on pasteur ou doit mettre à la hauteur des brebis pour les éduquer chrétiennement. Bon, on pasteur comme ça, il a fait une étude biblique. T'as quoi c'est là? C'est français pour d'avoir cherché en France. Pas même n'importe français, même le français, parce qu'on est une zone dans le pays, quand au Canada, on est un voile, dans le français, on va aller, on est un voile. Tu comprends-tu là? Tu mouilles-tu dehors là? Conséquemment, il faut que tu aies un bon grand français pour venir pour bagaille. Bon, en tout cas, ça nous besoin de comprendre, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de faire tout le bagaille ça, parce que nous sommes humains et nous vivons avec des êtres humains. Et nous devons comprendre la hauteur des autres et agir. C'est ce que Jésus a fait. Jésus paraît dans l'hôtel théâtre, ce dans celle-là, lui rabaisser à la hauteur du plus bas des hommes, afin pour le mener au bail papa. Mais si vous êtes son pasteur pour être en hauteur et puis vous n'avez pas descendre à la hauteur du peuple, Jésus va même besoin de descendre pour vous-même. La Bible dit il s'est diminué lui-même. Il s'est diminué lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Jésus descend en hauteur pour ne pas descendre. So, conséquemment, frère Massemio, on nous prend ça très sérieux. On nous prend mon Dieu sérieux. On nous présente devant mon Dieu comme monde qui compte mon Dieu ça. On prend
Conséquemment, moun sa kap utilize priye sa yo, priye répétitive sa yo, ki ap fè, ap met bo la dan nou, mes frères et sœurs, tende sa. Ceux qui utilisent alors des prières répétitives ne sont pas nécessairement hypocrites. Tende sa. C'est pas tout moun kap fè répétition dans prière qui hypocrite. Non, du moins, pas du genre n'a pas gardé là Jean-Michel parlé avec autorité avec montrer ce all that là non les scribes et les pharisiens utilisent beaucoup de répétitions dans leur manifestation publique de piété il a montré qu'il y a une piété et puis il a fait répétition mais beaucoup d'autres juifs les utilisent également dans leur prière privée. Ils ont utilisé la parole ça et tout, qui a pédé dans la prière privée, parce que les gens qui ont imité les choses qu'ils ne connaissent pas, ils ont pas le répéter au moins dans la prière privée. Certains le font peut-être parce que leur leader le leur enseigne. Si je enseigne un bagage, s'il n'est pas bon, on ne passe au lit. Ou tout prendre, ou même tout balancer avec l'autre. D'autres, toutefois, on recourt à la répétition parce que c'est facile et que cela exige un peu de concentration. Moun sa va se concentrer en pile pour prier parce que la pièce fait répétition. On prend la pour mettre un paquet de bagages parfois, elle pas besoin faire en pile effort. Bon, conséquemment, moun sa, est-ce que c'est quoi bon Dieu le vini? On prend. Pour ces personnes, la prière n'est qu'une affaire de cérémonie religieuse. Prières sont cérémonies religieuses prescrites. Ce sont pas qui prescrit, déjà nous tout ça devant. On prend. Il y a prescrit, il y a un pagaille là, il y a répété, il y a l'île. Et puis, des fois, il y a du moins que consciemment, il n'y a pas même là, dans le même. Mais il y a dit, les paroles, il y a écrit pour eux. Et ils peuvent être complètement indifférents à son contenu. On prend bagaille, il y a un doigt différent à contenu. Ça peut être supposé dire. Mais il faut essayer de ça. L'air fait prier ça, on prend. Livine difficilement à prendre pour approuver un bagage qui sérieux en prendre frère et sœur en prendre un modèle est aussi bon qu'un autre c'est comme ça vous comprendre vous fait bagage yo mais frère et sœur tendez ça et pas jamais dire ça même là nous tout problème ça gagne a tout gagne dans l'église a tout gagne tout côté parce que conseil de monde il pas d'accord pour un marché droit faut rentrer là-dedans pour troubler ça qu'a fait là pour faire mon égaré et mon ça yo animé avec bon esprit c'est bon bon esprit parce que tout le monde qui a dérangé ça fait mon Dieu qui a dérangé service mon Dieu qui a dérangé l'église mon Dieu qui cherche ça à prendre qui a prêché mal qui a prié mal qui a dit qui pas ça ou en contravention avec le Seigneur. Parce que cher là, l'on monte de elle, Dieu a vous c'est béni moun. Dieu a vous c'est changer moun. Dieu a vous c'est encourager moun pour servir le Seigneur. Mais l'on a dérangé moun, on prend ou pas béni peuple là, bon Dieu pas d'accord avec eux. Nous avons tant de ça à soi, pour pas jamais lire ça, on prend. L'on monte là, on monte avec ce sentiment pour bénir les autres. On prend. Ce n'est pas pour encourager les gens dans le péché, et pour dire des choses qui ne connaissent pas la vérité, et pour encourager eux à faire du mal, et puis eux même qui connaissent ce qu'ils disent, ils battent bravo parce que c'est même les gens avec eux qui sont là. Et puis ils sont sans béni, ou même tout prêcheur sont sans béni. Parce que bon Dieu, ou même qui prie, ils sont sans béni. Ou même qui te dirige, ils sont sans béni, parce que sans faire, bon Dieu va prendre plaisir là-dedans. Et si vous avez bon Dieu prend plaisir dans ce qu'ils font. On essaie bagay hypocrite ça. Bien que problème ça, il n'est pas tout qui implique hypocrisie. Bien que nous parlons d'hypocrisie, je fait oui, un pharisien avec sa discernion. Bon, mais problème ça, il n'est pas toujours impliqué hypocrisie. On prend non, toujours pas oublier ça. Il a toujours impliqué une mauvaise attitude, un cœur mauvais. Les fiers, les hypocrites, tentant d'utiliser Dieu pour se glorifier. Ils ont cherché à utiliser bon Dieu pour glorifier tête eux-mêmes. Tandis que ceux qui multiplient de vaines paroles sont simplement indifférents à la véritable communion avec Dieu. Parce que vous ne venez pas une véritable communion avec bon Dieu, vrai, ou chercher à intimider bon Dieu. Mon Dieu va prendre l'intimidation. Frère, ma soeur, même quand j'ai intimidé, mon Dieu. On a des gens même qui proposent de crier pour faire mon Dieu comprendre. Et tandis que mon Dieu regarde dans le cœur, ils sont gros hypocrites. Oh Jésus, oh mon Dieu, on connaît moi. Glo non Dieu. Mandez mon Dieu, vous allez crier. La impressionner, mon Dieu. Mon Dieu va prendre l'impression.
Je me suis entendu ça, mon Dieu, pas prendre une impression, pas venir chercher à comprendre, pas venir prisonnier, et mon Dieu, mes frères et sœurs. Juif adopter pratique, ça, c'est pratique païen que lié. Qui croit, parce que païen, il croit que la valeur de la prière est essentiellement une affaire de quantité. Tout en prière plus longue, il y a un plus gros mot, on va dire, bon Dieu, prends plaisir là-dedans. Plus prière longue, c'est mieux prier aller les prières plus longues moi mes frères et sœurs yo imaginez Jésus dit il s'imagine dans verset a qu'à force de paroles ils seront exaucés il s'imagine à force de paroles mes frères et sœurs ils seront exaucés parce qu'il a dit en pile paroles yo pour exaucer mes frères et sœurs c'est ça Jésus dit comprendre mes frères et sœurs mon cap prier mon Dieu Dieu païen yo yo pensé que divinité pa yo que yo t'a servi a yo doit d'abord réveiller divinité a l'abdormi à force de parole de sa dio Dieu yo après le réveiller comprendre non mes frères yo pral réveiller Dieu yo comprendre yo pral amadouer Dieu yo comprendre amadouer Dieu yo comprendre ça veut dire que non yo pral amener Dieu à ses fins yo pral apaiser Dieu yo comprendre Dieu yo y après non Dieu si Dieu a été hostile avec yo ou Dieu a été réservé comprendre yo pral aussi y a réveiller Dieu yo comprendre non pas deux l'air dit moi yo c'est deux petites flatteries que a fait pour réveiller Dieu par eux, comprendre, pour attirer, comprendre, attention à droite de Dieu, mes frères et sœurs, comprendre, il y a cajolé Dieu pour gagner, il y a cajolé Dieu pour gagner, pour faire Dieu tendez-yo, mes frères et sœurs, comprendre, intimider, mes frères et sœurs, et importuner. Pour écouter et répondre. C'est ça à faire, oui. Pour Dieu à répondre, nous camper là. Comprendre. Orange, Baal, réponds-nous. Baal, Alain, matin, midi, Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Eh bien, il y a dit, peut-être, il dort. Crie plus fort. Peut-être, il est en voyage. Peut-être, il n'entend. Mais nous-mêmes, Dieu, pas nous, pas nous, pas pour Dieu, pas nous. Nous faisons le Saint-Esprit pour te le monter. Mais mon Dieu, nous, sommes on prend mon Dieu ça sérieux. Pas jouer avec mon Dieu. On n'a pas besoin de cajoler mon Dieu pour gagner pour intimité mon Dieu. On va dans vision. On n'a pas besoin de chercher intimité mon Dieu. Mon Dieu va prendre un bagage ça. Et nous devons dans 1 18, verset 29 à 26, nous devons tourner la donne. Mais pour samedi, là, je dis à Kembel, pour passer ça, intimider, importuner, pour écouter et répondre, comme l'ont fait les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Marqué 1 roi 18, verset 26 à 29 là, nous te lisons pour aujourd'hui déjà avant, en un passage, nous allons lire encore, mais au même qu'il a caillou, l'île, please, l'île. Mais arrivé, dans le Nouveau Testament, on trouve une pratique semblable, blanc, mes frères et sœurs, soulevée contre Paul et ses compagnons par Démétrius. Nous changeons l'histoire, ça, nous avons étudié Actes des Apôtres, et les autres orfèvres, une grande foule commencera à crier. Et contre Paul, grande est la Diane des Éphésiens. On met l'île dans Actes 19, verset 24 à 34, la caillou, parce qu'il est arrivé à l'île la caillou, et il continue sans s'arrêter pendant des heures. Grande est la Diane, parce que Paul prêchait au message, et puis on fait mieux fâché, parce que Dieu sale pas un vrai Dieu. Et puis ça passe, il a lagué des Paul, et puis il a commencé à crier grande, elle a Diane, en des Éphésiens. Formation, elle est arrivée, là où j'ai campé là, et dans l'autre semaine, nous va rentrer dans ça avec nous. Simplement, nous avons ça nous dit à soi, on comprend ni, et ça nous dit à soi, on prend très sérieux pour reconnaître notre Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, de justice. Bon Dieu, voulez bénir nous. Bon Dieu, t'as même vient devant, nous vient avec un cœur sincère, et l'on vient devant bon Dieu avec un cœur sincère. Et bon Dieu qui est dans le secret de votre cœur, bon Dieu a pour sincère avec lui-même, et puis sûrement des bon Dieu a fort cadeau. Que bon Dieu bénisse nous, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ce grand cadeau que tu nous fais d'être ici. Merci, mon Dieu, pour ce réel. Merci pour frère Simon.
Merci, mon Dieu, pour leur présence ici. Et merci parce que tu m'as béni. Tu m'as donné le pouvoir de parler et le pouvoir de marcher, le pouvoir de comprendre ta parole, le pouvoir de l'expliquer à tes enfants. Merci parce que tu m'as donné la santé, mon Dieu. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Mille merci pour cet amour. Oh Dieu, Papa, que tu as pour nous, tes enfants. Au nom de Jésus, donne-nous de comprendre cette question de prière et donne-nous d'étudier ces mots-là, de les comprendre là, afin de devenir des chrétiens sincères, honnêtes. Et dans nos prières, quand nous approchons vers toi et que nous arrivions à savoir que tu es souverain, et tu es omniscient, et mon Dieu, tu connais le secret de notre cœur, afin que nous ne venions pas, mon Dieu, devant toi avec un cœur malade. Dans mon Dieu, rempli de péché, et nous te prions, cher Seigneur, en essayant, mon Dieu, de te faire descendre. Tu ne vas pas descendre parce qu'il n'y a pas d'unité entre nous et toi, parce que nos cœurs ne sont pas propres. Mon Dieu, donne-nous de la propreté du cœur. Donne-nous de comprendre comment, mon Dieu, agir devant toi, afin que nos prières arrivent et que toi-même tu nous bénisses. Nous allons délaisser le temple. Que tu bénisses les frères et sœurs qui sont dans la maison, que tu leur donnes de comprendre que tu les aimes aussi et tu veux qu'ils se présentent devant toi avec un cœur sincère et toi qui vois dans le secret, tu les béniras en retour. Reste avec nous, assistez-nous, bénis-nous. Grâce que nous te demandons au nom de Jésus qui est à présent au siècle des siècles. Amen. Maintenant que la grâce et la paix de notre Seigneur soient Jésus-Christ, l'amour de notre Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint, dans chacun de nous, ici présent, avec tous nos frères et sœurs à la maison, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Maranatha!